Salut les Pokéboys et les Pokégirls, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de ce Let's Play sur Pokémon version Prism. Mais aujourd'hui je suis en compagnie de Powerclank, salut à toi. Salut à toi. Et donc, les gens, on est sur mon nouveau PC, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que je... Si je lag, c'est que vraiment il y a un gros problème. Mais normalement non, j'ai... Voilà. Donc j'ai un nouveau micro aussi, mais après, voilà. J'ai pas fait les configurations de mon micro, par contre, mais je sais pas. Je pense qu'on m'entend bien, quand même. Et, parfaitement. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. J'ai bien dit Pokémon version Prism parce que le nom, enfin le jeu a changé de nom. Et donc voilà, et puis je sais pas si j'avais autre chose à dire, non peut-être pas, non je pense pas. Donc je résume ce qu'on a fait la dernière fois vite fait. Donc la dernière fois on a fini la quête d'Halloween d'abord. On va commencer par ce qu'on a fait vraiment. Et après on a commencé la quête Overlord 3 pendant les 30 minutes de l'épisode. On a cherché partout, enfin je pense que si vous l'avez vu, vous avez vu l'épisode, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc aujourd'hui on va continuer un petit peu, je vais pas m'attarder non plus comme la dernière fois. Donc la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé à policier, à bandit 1 et à bandit 2. Donc on cherchait bandit intelligent, et sachez qu'en fait il est à Parmanie. Et en fait pour le trouver c'est... Il est super intelligent. Voilà, et en fait c'est le monsieur qui est juste ici là, juste en face de moi. Et donc voilà, en fait vous aurez remarqué qu'au début de l'épisode il n'y a pas de monsieur dans ce comment dire, lac. Voilà, dans ce lac, dans cette voilà, dans ce lac, bref. Vous me comprenez. Et là maintenant il y a quelqu'un, donc on va le voir. Donc oui. Tu as l'air de savoir des choses sur moi et sur un certain braquage de Jadiel. Non, pas du tout. Je ne dirai rien et tu ne pourras jamais m'attraper. Et plouf. Ok, le monsieur a disparu. Bon. Ça c'est fait, déjà. Il reste quelques temps, il va pouvoir suffoquer puisque c'est qu'un lac. Ouais, vas-y, remonte à la surface. Vas-y, remonte. Non, ok. Il y a quelque chose en dessous, j'en suis sûr. Bref, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Parler à la copine du chef. Mais où est-elle par contre? Peut-être qu'elle est à Cramoisil, vu que si on suit la logique, c'est la prochaine ville. Ou alors, est-ce qu'elle est à Parmanie? Je ne sais pas. On va regarder ça, mais je pense pas. J'ai quand même fouillé avant de faire cet épisode. Je ne pense pas. Non. Non. Bon écoutez, on va pas perdre de temps, on va aller à la prochaine ville directement. Donc qui est Cramoisil. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai pas touché à ma team, donc je sais pas si j'aurai le niveau pour aller là-bas, mais bon. On va se débrouiller comme d'habitude. Par contre, faudrait peut-être que je passe à la boutique Pokémon m'acheter quelques trucs. Ce serait pas bête ça. C'est conseillé. Ouais. Bonjour monsieur. Alors, ah, il y a plus l'option vendre. Ah, bisous. Ça c'est un petit problème. On l'ajoutera plus tard. Ok, bon, c'est pas grave. Donc des Pokéballs. Ouais, peut-être des Super Balls, on sait jamais si on tombe sur un Pokémon intéressant. En plus j'ai de l'argent maintenant, donc bon voilà. Hyper potion. Ouais, on va en prendre les 10. Soyons fous. Je reçois une Honor Ball si tu veux. On va prendre 4 super potions. Et tu fais une ristourne, t'es pas content? Ouais. Prendre peut-être 3 rappels. Parce qu'on va pas non plus se faire une arène là. Enfin je pense pas. Et voilà. Bon, je pense qu'on est prêt. Donc bon, on va essayer. Bon, alors par où faut partir? Je vais regarder la carte quand même parce que bon, voilà. Donc, ok, faut prendre le chenal 19. Chenal 19 qui se trouve je ne sais où. Oh non, retourne dans la ville. Ok, je retourne dans la ville. Donc. T'étais juste à côté, hein. Ah, d'accord. Alors. Où que c'est? Va au centre Pokémon. Ok. Je passe par là.
Ah, ok, je vois, je vois. Je vois, c'est là où il y avait la Team Infinity, une dernière fois. Oui. Bonjour madame. Je vous conseille de vous équiper d'un Pokémon connaissance surf afin de continuer. On va prendre mettre hors tank, hein. On va le mettre même en première position, soyons fous. Enfin, je sais pas si ça va être utile, mais. Il aurait peut-être fallu mettre en Piflore si on tombe sur des Pokémon de type eau. Ouais, c'est mieux, je pense. Après. Non, j'ai pas dit résumé, j'ai dit ordre. Bon. Quel stratège. Eh ouais, tout est prévu, hein. Ça m'étonne que l'eau soit pas glacée. Ah oui. Ah oui, ah, mais oui, je suis Mmh. bête. On est sur la phase 0.6G, les gens, oui, c'est vrai. Donc, sa version. Enfin, j'allais dire la version Noël. Certes, mais vu qu'elle va durer jusqu'à février, moi je dirais que c'est plutôt la version hiver, je dirais. Mais bon. C'est correct. Mais bon, voilà. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a de la neige, effectivement. Donc, voilà. C'est la petite nouveauté. Après, il y a d'autres choses, hein. J'ai pas le changelog sous les yeux, donc je peux pas vous dire toutes les nouveautés, mais. Regarde-moi cette brasse, magnifique, non? Oui, le PNJ aussi est magnifique quand il continue sa route. Nageur Tony. Tentacool. Il a pas froid en maillot de bain, lui? Ah oui, mais. Ça va, monsieur? Tout va bien? Apparemment, oui. Il fait trancherbe, mais bon. Ils sont quand même niveau 50, hein, les Pokémon. Je sais pas si je vais être prêt pour aller là-bas. J'ai pas utilisé Giga Sensu tout de suite. Ça, c'est fait. Coquillasse. Non. Ouais, pareil. Le mieux, c'est de faire Giga Sensu après. Ouais, après, quand j'aurai perdu vraiment beaucoup de vie. Et si j'ai pas fait un coup critique. Ok. Bah tant mieux. Même en mourant, il arrive à t'enfler. Pam 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 pam. Ah, j'ai coulé à pic. Ok. Je sais pas si on va tous les faire, mais. Ok, il m'a vu. J'estime que ce combat sera sorti d'une nouvelle Oh, victoire le pour moi. double combat là! Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau! Ok, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, tu vas les affronter un par un, non? Ok. Bon, il n'y a pas de fenêtre. On va essayer de se faire comme ça. Alors, dans la théorie, là je suis sur attaque. Ouais. Donc, Tu descends d'un cran j'ai et fait t'as attaque. tranché. Trancherbe. C'est ça. C'est Quand je te rien. dis que le numéro 13 porte la poisse, c'est pas pour rien. Eh oui, ah oui, c'est vrai, sur mon espèce en Pokémon Cristal, je l'ai pas appelé numéro 13, je l'ai appelé numéro comment 12 bis, je crois, exprès, pour pas faire numéro 13, parce que j'aime pas du tout numéro 13. Ah bah là c'est trop tard. Oh là Starry. là. Bon, merde, je suis sur quoi là? Bah à la base t'es sur attaque. Là c'est quoi? Ok, j'ai fait coupe, c'est pas grave. Ça c'est en bas à droite alors. Je suis toujours sur attaque ou pas? Ouais, alors là c'est coupe et au-dessus il y a Giga Sensu normalement. Parfait. Ouais. Ok, ça C'est m'enlève. juste qu'il n'y a pas l'animation correcte. Bon, c'est pas grave. Allez, niveau 56. Bon, je vois pas le reste, tout ce qu'il y a, c'est pas grave. Je sais pas qui c'est que t'envoies, mais je vais le garder quand même. Hypocéan, ah oui! Bon, on va lui faire Trancherbe si je me suis pas trompé. Ouais. Quel as. Et ouais. Bon, c'est un petit bug, c'est rien du tout, ça va. C'est pas comme si le jeu se fermait. Voilà. Oui, mais enfin là, quand même. C'est rien. C'est le niveau hardcore. Bon, je sais pas ce que tu dis, monsieur, mais c'est pas grave. Oui, Tu je suis du même vois qui avis. c'est. Je suis du même avis. Ok, combat. Comme ça. Toi-même, tu sais. Bonjour madame. Non, tu m'envoies même pas de texte non plus, c'est pas grave. Toi, sirène. Bon, on va lui faire Trancherbe d'abord. Ah là là. Moi je dis comme jeu, ce serait hardcore de pas avoir les dialogues, c'est vrai, c'est sympa.
Ok. Bah ouais, on va te garder. T'as intérêt à connaître tes attaques alors. Hein. Ouais, je connais à peu près. Bon, voilà. Je crois que c'est sur tranche herbe toujours, oui. Ok. Alors, c'était quoi ça? Peut-être cascade. Peut-être. Je crois que je suis sur tranche herbe, ouais. Mais ça me perturbe, je sais. C'est tout. C'est rien. On a 10 minutes. Je sais même pas combien tu gagnes. Ouais, j'avoue. Ça se trouve, je suis riche et je le sais pas. Ah, ce serait grave ça. Tu gagnes au loto, mais tu sais pas. Bon. Bon, là, ça va. Le truc est parti. Tant mieux. On te lâche pas, hein. Ah bah, à chaque fois, à chaque épisode, je trouve un bug, hein. C'est pas ma faute, hein. Mais c'est bien. Je fais avancer le jeu. Ouais, ouais. Ah, il y a un épisode, je crois que j'ai pas trouvé de bug, je crois. Un seul. Je sais plus lequel c'est. Mais... Le premier. Non, le... Ah, quoi, je sais pas. Ah, j'en sais rien. Ah, faudra que je regarde. Tiens, une Pokéball. Qu'est-ce donc? Une poussière d'étoile. Et toi, t'es qui? Ok, c'est un dresseur. Génial. Eh, c'est mon coin de sable, compris? D'accord. Je m'en vais si tu veux. Non, il veut pas, apparemment. Pêcheur Henri. Ah, ok, t'envoies Léviator. T'es comme ça, toi. Ok. N'empêche, je me suis toujours demandé comment il faisait pour pêcher avec une Pokéball. Hein. C'est vrai. C'est pas faux. Je pense comme toi. Mm-mm. Ok, ça lui a enlevé que dalle. Ultra laser, vas-y si tu veux. C'est un Pokémon dragon, hein, désolé de te le dire. Oh, il t'a fait un ultra laser en plus. Ok, est-ce que j'ai un Pokémon de type glace? Non. Bah, t'as pas de dragon non plus, donc. Il va falloir le torcher. Hein. Qu'est-ce que je peux lui faire? Réfléchissons. Coupe. Bah, le mieux c'est encore Giga Sensu. Hein. Ouais, je pense. Tu gagnes de la vie. Au pire, j'ai acheté des rappels. Ouais, voilà. Ok, au il doit pire, recharger en plus, c'est vrai. Au pire, t'es pas très loin du centre Pokémon, hein, non plus. Ouais, mais j'ai la flemme de tout me retaper après. Hydrocano. Oh. Ok, si tu veux. Ah, quand même. on va jouer avec coupe. Allez. T'es avec un Pokémon, rassure-moi, oui. Bon, ok, on partage? Non. On n'est pas dans la pub de Kinder Bueno. Oh, je vais me prendre les droits d'auteur. Allez. Tentacool. Tiens, fais-moi regagner un peu de vie, je vais te faire Giga Sensu. Parfait. Ok, ça c'était pas cool. Pour la peine, je t'achève. Ça, c'est fait. Allez. Alors par contre, par où faut aller, j'en sais rien. Ok, Chenal 20. Tanta cool. On va fuir là, parce que bon, j'en ai un peu marre. Par contre, si je tombe sur un dresseur, je voudrais bien lui foutre une super potion, peut-être, en piflore. Allez, c'est parti. On y va. Ok, on est arrivé ici déjà. Je crois que c'est pas cramoisi là, c'est l'île où il y avait le champion qu'on avait dans Pokémon Crystal. Je sais plus qui c'est. Où ça? Cette île là en dessous, la grotte là. Ici. Moi j'ai juste souvenir d'un Lugia en bas, mais. Ah? Un champion. Ah, je me suis peut-être trompé alors. Beaucoup. Bonjour monsieur. Non, mais parle-moi. Ok! Personne ne m'empêchera de visiter les très connues îles écumes. Ok, c'est les îles écumes. Ok, je me suis trompé. Autant pour moi. Ah, peut-être pas aller chercher Lugia tout de suite, hein, on est d'accord? Hein? Enfin, quoique. Oh non, j'irai plus tard. Ouais, c'est mieux quand même. Arkeomir, je sais plus quel type il est.
Spectre peut-être. Spectre. Si le spectre. Il a quoi comme attaque? Ok. Allez. Non. Faire psycho. Mais ça lui faire que dalle. Oui. Je suis con, moi. On va prendre plutôt. On va spam avec Tortank. On va te faire hydrocanon. Allez. On va lui faire surf. Dis donc, pour un niveau 53, il fait pas très mal, hein. Ouais. J'aime bien l'animation de surf. Trio Pika, on va garder. Enfin, il vibre à quoi? Super efficace. Allez, Tortank niveau 56. Tranquille. Bonne. Ah, il manque un i. Bonne visite dans les îles écumes. Non, non, viste, c'est correct. Peut-être, je sais pas. Je... Non, non, c'est carrément pas correct. Îles écumes vers Cramoisil. Ok, faut passer par là? Non. Si? Je sais plus du tout. Oui, il faut passer par là. Ok, bah je passe par là alors. Il y a de la neige, enfin il y a de la glace et il y a de la neige. Ah, mais ça, même hors Noël, il y en a. Ouais. Alors, par contre, j'ai pas de Pokémon type feu. Par contre, j'ai un Pokémon type combat. Ok, Psycho Quack. Génial. On va fuir. Alors, par où on va passer? Ah. Ce rocher est trop lourd pour être déplacé. Est-ce que j'ai force, moi, au moins? Ah. D'accord. Génial. Je crois qu'il faut force. Vérifie quand même dehors si on peut pas passer. Parce que... parce que je n'ai pas force. Si je raconte des conneries... Peut-être que j'ai oublié de récupérer force aussi. Regarde à gauche un coup. À gauche, je crois qu'on peut pas passer, mais... Eh bah re les gens, excusez-nous pour Spiro-M. Je pense que j'aurais coupé depuis un petit bout de temps, d'ici... même peut-être après le voleur, parce qu'on cherchait force, et en fait, il faut le faire après avoir battu Janine, la championne de Safrania. Vous retournez voir la copieuse, et elle vous donne force, donc faut le faire beaucoup plus tôt dans l'aventure, mais moi j'ai complètement oublié. Donc voilà, donc maintenant j'ai force, je l'ai même appris au Saturne, je lui ai enlevé puissance. Et vous avez remarqué qu'il y a aussi une magnifique transition, il fait nuit dans le jeu, parce qu'il est 19h actuellement. Donc voilà, et donc on va rentrer, on va se faire ces îles écumes, et après je sais pas, en fonction du temps, on verra ce qu'on fait. Alors, par où passer d'abord? Réfléchissons, oui. Hop, on va bouger ça. On va pas trop bouger non plus, on va passer par là. Ah merde, j'ai oublié de lancer le partage. Bon, je vais te décrire. Merde, je suis con moi aussi. Mais décris. Alors, il y a de la glace. Il y a de la glace, voilà, j'ai pris une échelle. Je tombe sur un Nosferatu niveau 50. 50? Ok, je sens que je vais me faire défoncer par un Pokémon sauvage. Mais bon, enfin, en même temps, je suis en train de tous les fuir, donc il y a peu de chance, mais bon. Tentacool, ils étaient niveau 47. Hein. Ouais. Ah, il y a un petit montagnard paumé. Je vais peut-être pas aller le voir. Ah, et si pas. Peut-être qu'il faut que je passe par là. Il y a une... Enfin, c'est pas une sortie, mais. Passer. Alors, si je pousse, logiquement. Ok. Allez, allez.
quoi ça? Ok, j'ai trouvé la sortie déjà, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Tu files à l'ouest et tu t'arrêtes pas. Ah non, fallait filer à l'est. Enfin, après oui, à l'ouest. Ok, j'ai compris. J'ai un Pokémon super rare. Regarde! Qu'est-ce donc? Je ne sais pas, je suis aveugle actuellement. Oh mon dieu, un Lugia Shiny! Non, je déconne. C'est quoi? Un Loclass. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, Loclass! Ah oui, il y a cet event aussi qui est apparu, je sais pas où, mais. Il faudra que. Je vais vous le montrer, je sais pas, en fonction. Je sais pas. Parce que j'ai pas calculé, du coup, là, genre. Théoriquement, on est à 40 minutes d'épisode. Mais que, vu que je vais faire du montage, peut-être qu'on sera à 20 minutes, je sais pas. Du tout. Bah, tu mettras tout et puis ceux qui voudront passer. Voilà. Bon, je vais faire quand même un peu de montage parce que bon. Maintenant que j'ai Camtasia Studio 8. Bon, je pourrais prendre Sony Vegas, je vous l'accorde. J'ai essayé de l'installer, hein. Mais j'ai une erreur et. Voilà. Erreur critique. Non, il veut pas installer un truc, un fichier audio. Je pense que qu'il y a un truc qui manque sur mon PC pour ça. T'es bientôt à Cramoisil ? Bah là, je suis en train de galérer face à un Loclass de merde, mais. Niveau combien ? 54. Oh, c'est bon, maintenant il est KO. C'était son seul Pokémon. Ah, c'est un dresseur, hein, punaise. Ouais. Mon Loclass se vengera de toi. Non, j'aime pas les Loclass. On va peut-être faire. Enfin, utiliser un rappel. Rappel, voilà. Ampiflore. Et on va prendre une super potion. Voilà. Pas besoin de tout lui mettre en PV. Voilà. Et voilà. Allez. J'aurais pu prendre des repousses, c'est vrai. J'ai oublié aussi. Allez. Va-t'en tant que t'as cool. Allez. On avance. On longe les. Ok. Je suis à Cramoisil et il y a une magnifique musique. Enfin, je suis à Cramoisil. Presque. Si je trouve l'entrée. Ok, c'était pas par là. Bah l'entrée est à la droite. Oui mais en fait je suis en train de faire le tour de l'île. Va-t'en, tentacool. Je sens que je vais faire exprimer mes Pokémon pour la prochaine fois. Après. Il y a intérêt. Alors je sais pas jusqu'à quel niveau mais. Par contre j'adore la musique. Franchement, si t'as affronté un dresseur avec un Loclass niveau 54, c'est qu'il va avoir quelque chose derrière après, je pense. Et du lourd. Ouais. Allez, on est à Cramoisil, les gens, et là c'est officiel. On va aller vite fait au centre Pokémon. C'est mon intérêt principal. Ah, il y a un livreur, je vais voir après. Allez. Merci, machin. Si j'étais toi, je garderais le manoir pour la prochaine vidéo. D'accord. Tiens, je suis le livreur de cadeaux Mystère Cube. Quel privilège de vous rencontrer. Ok, j'ai. Non, c'est juste qu'il est là. Bon, j'ai pas de cadeau pour moi. Quel dommage. Quel dommage, Cramoisil était une ville animée. Il ne reste que son bâtiment le plus sinistre. Quelle ironie. On verra ça la prochaine fois. Par contre, toi, t'es qui? Tout a disparu, d'accord. Bon, on verra ça après. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Mais où est alors la copine du chef? C'est pas juste. Elle est peut-être dans le manoir. Non. Peut-être dans une autre ville alors. Oui, bravo. Je sais. Alors par contre, où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Alors, quelle ville j'ai pas fait? L'avant-ville, ça m'étonnerait. Safrania, j'ai déjà fait. Céladopol, j'ai pas fait. Azuria non plus d'ailleurs. Alors, je sais pas, j'aimerais bien continuer parce que si je coupe, va pas avoir grand chose sur l'épisode. Mais il est lent le manoir.
Il est long. Ah. Bon, je vais pas le faire alors. Je voudrais juste trouver la copine du chef de la quête au voleur 3. Ouais, enfin là, ça va être encore plus long que force, hein, si tu le permets. Ah. Enfin, le temps que tu trouves, hein. Vas-y. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à Celado ou Azuria. Je vais aller à Azuria d'abord. Juste pour m'assurer. Faut quand même que je m'en souvienne parce que. Ah, je vais regarder. Ok. Non, c'est pas toi. C'est la copine du chef. Où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce que je serai, moi? Ok, une grotte à laquelle on peut pas accéder. Ça, c'est le pont qui a été refait, vous aurez vu. Je pense pas qu'elle soit là, mais on vérifie quand même. Toujours. Ok, non, pas par là. Ok. Pas Azuria. Pourquoi je cours d'ailleurs? Je pourrais partir. Je vais regarder à Celadopol. Si elle est pas à Celadopol, je sais pas où elle est. C'est qui? Ok. Non. Bon, où est-ce que elle peut être? Non. Je ne sais pas. Là-bas, il n'y a rien. Alors, quelle ville j'ai pas fait? Je vérifie juste, hein, les gens. Après, c'est juste pour m'avancer un peu. Argenta. Je sais pas si je l'ai fait. Oui, parce que j'ai vu le policier là-bas. Jadiel, c'est la ville. Voilà. L'avant-ville, alors? Bizarre. Carmin-sur-Mer, j'avais déjà fait. Bon, je vérifie à l'avant-ville, mais... Non, on ne semble pas qu'elle soit là. Non. Alors... Carmin-sur-Mer... Non, je pense pas. Puis après, les autres, on a fait... Il n'y a que le Bourg-Palette, hein. On va regarder parce que ça fait longtemps, mais... Mais bon, voilà, quoi. C'est tout. Maison de H. Ketchum, on s'en fout. Ça aussi. Non, elle est pas là, je pense. Bon. Eh ben écoutez les gens. Moi je dis, on va faire un épisode pas trop long. On va s'arrêter. Enfin, je pense. Je vais quand même réfléchir un peu, hein, mais... Je sais pas. Après, j'ai aussi une petite preview à vous montrer. C'est vrai. Alors, Bourg-Palais, non. Jadiel. On va vérifier à Jadiel quand même. Parce que bon. Pourquoi on serait pas à Jadiel? Chaque fois, c'est la ville que je fais pas ou la personne est. Alors, vous remarquez aussi qu'il y a ce monsieur là. C'est le gardien de l'école des dresseurs. Bon là non. Non. Non, je pense pas. Je vois pas où est-ce que... Où est-ce qu'elle serait? Argenta peut-être. Oh quand même, Argenta c'est risqué. C'est qui? Je sais pas. Je vais abandonner, je crois. Pff.
Saint-Germain-sur-Mer. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, je fais perdre du temps un peu, mais... C'est histoire que... De toute façon, aujourd'hui, ça aura été journée recherche. Hein. Ouais. Je vais peut-être m'arrêter là, je pense. Après... Bon, pas Carmin-sur-Mer. Réfléchissons, dans quelle ville j'irai? Parce que jusque-là, c'était logique. C'était Jadiel, Argenta... Bon, après, c'est un petit peu dérivé sur Safrania. Après... Non, Carmin-sur-Mer, pardon. Ensuite, Safrania. Ensuite, Parmanie. Où est-ce que j'irai ensuite? Saint-Mont, Saint-Mont... Bon, moi, j'irai à Céladopole, hein, mais... Ça se trouve, elle est dans un bâtiment. Peut-être au casino, tu vois. On va vérifier. Ça m'étonne rien. Hein, mais... bon. Ok. Non. Non, personne. Je sais pas. Est-ce qu'au centre commercial? Tiens, c'est qui? Ok. Sous-sol, non. D'accord, j'ai reçu une quête. Comme ça, en allant au sous-sol du centre commercial. C'est quoi comme quête? Objet de combat. Trouver un charbon. Ok. Bon, je verrai plus tard. C'est pas intéressant comme quête. Au moins, j'ai débloqué une quête. C'est déjà ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais retourner à Cramoisil. Parce que bon... Marre de chercher pour ça. Bon, je vais vous mettre sur un panorama. Tiens, devant le manoir. Tiens, ici. En fait, le chef, je sais où il est, mais la copine, je sais pas. Le chef, il est où? Comme ça, je saurai. Ah, il est plus loin. Plus loin? Ouais. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Donc, je vais résumer vite fait ce qu'on a fait, même si on n'a pas fait plus que ça. On a continuer très 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 légèrement la quête au voleur 3. On a juste parlé à bandit intelligent. Et ensuite on est allé on a fait les îles écumes pour aller à donc à Cramoisil. Donc on a un petit peu galéré, je vous l'accorde. Mais bon voilà, je le rappelle, faut avoir fait Safrania, battre la championne et reparler à Copieuse qui vous donnera la CS Force. Et puis voilà. Et ça vous évitera de refaire l'aller-retour comme moi. Et donc, ben voilà, je pense que c'est tout. On va se laisser là, je pense. Donc, ben je te remercie, Powerclank, d'avoir été sur cet épisode. Merci de ce fiasco. et puis voilà, c'est la fin. Enfin, pas totalement la fin de cet épisode 13, parce que certes, il y a la preview, mais on va dire au revoir à Powerclank. Donc, ben, salut. Et salut. À tout de suite. Entre nous, voilà. Tout de suite. Voilà, c'est ça. Bye bye. Bye bye. Et bah re les gens, on se retrouve donc pour cette preview sur l'alpha 0.7 de Pokémon version Prism. Donc bah, je crois que c'est sur cette même version que j'ai fait la preview la dernière fois. Donc aujourd'hui c'est... je vais faire ces trois petites images. Donc c'est pas une vidéo, mais c'est quand même trois images, je trouve que c'est intéressant. Donc je vais vous mettre la première image. Donc sur cette image, on peut remarquer qu'on doit être juste avant la ligue, vu que là on voit que le personnage lit un livre sur le conseil des 4, enfin conseil 4 de Kanto, donc je suppose que c'est juste avant la ligue. Donc juste avant la ligue, apparemment on est au centre Pokémon.
Voilà, et on remarque que sur la droite, on a l'impression que la salle continue. Il y a un gendarme et il y a une ligne de séparation, donc je pense que oui, ça continue justement. Et qu'est-ce qu'il y a après? On va voir ça sur la deuxième image, donc je vous la mets tout de suite. Et donc on remarque que bah, juste après, c'est le centre, enfin le centre, pardon, la boutique Pokémon, qui est, oui, donc apparemment le centre Pokémon et la boutique vont fusionner et ne vont et ne va ils ne vont former qu'un seul bâtiment, pardon. Et ouais, ce qui est cool, ça évite de sortir, d'aller à la boutique ou d'aller de la boutique au centre Pokémon. Je trouve que c'est sympa. Et voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième image. Et la troisième image, on remarque qu'on parle cette fois au policier qui dit: cet endroit est le dernier arrêt avant la Ligue Pokémon, juste derrière moi. Donc ça confirme ce que j'ai dit. C'est derrière le policier, il y a bien la Ligue Pokémon. Donc ben, j'ai aucune image sur la Ligue. Mais voilà, ça me donne un peu l'eau à la bouche. Et personnellement, j'ai hâte que cette 0.7 sorte en février, sinon pas de retard. Et donc voilà, donc bah, j'espère que cette petite preview vous aura plu. Donc bah, normalement, il n'y a pas de décalage sur la vidéo. S'il y en a, bah, n'hésitez pas à me le signaler, mais ça m'étonnerait, j'ai vérifié. Par contre, j'ai remarqué que lorsque j'ai filmé, le logiciel n'a pas enregistré tous les sons du jeu, c'est-à-dire que par exemple, quand je fais des combats, quand je lance une attaque, vous savez, il y a un bruit, enfin un son, quand vous touchez le Pokémon, ça fait un bruit comme quoi vous le touchez. Mais par exemple, le logiciel, ça, il n'a pas enregistré. Alors je sais pas pourquoi, faut que je regarde si ça marche bien sur mon jeu, parce que j'ai pas fait forcément attention, ou si voilà quoi, je sais pas du tout. Et donc ben on se retrouve voilà, ben j'espère que vous m'excuserez. Et donc je vais vous laisser cette fois et pour de bon. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur Pokémon version Prisme ou sur d'autres jeux, je ne sais pas encore. Et donc voilà, si vous avez d'ailleurs si vous avez des idées de jeux à me proposer, n'hésitez pas, vu que maintenant j'ai un nouveau PC. D'ailleurs, si vous voulez les configurations du PC, n'hésitez pas à me les demander aussi, je les ai. Et donc voilà, ben, cette fois je vous laisse sur ce. Ciao tout le monde, bye bye.